forme d'oiseau. Alors là, ça on l'a déjà fait. Ça c'est celui-là qu'on vient de faire à l'instant. C'est avec le vent. Est-ce qu'on a tous les symboles? Il en manque deux. Mince alors. Pourquoi il me manque deux symboles? J'ai tout trouvé. Tu vas m'envoyer où maintenant? Par là? Ça, faut aller par là? Oui, je suis revenu encore. Je suis prêt pour la clé finale qui va ouvrir la porte pour libérer tout le monde. Oh là! Mais faut pas que j'aille dans l'eau. Je peux pas aller dans l'eau. Qu'est-ce que tu me fais? Je vais mourir. J'essaye. Mais je vais mourir. D'accord. Allez, j'essaye. Oh, je marche sur l'eau. Cet objet, ça va où? Je peux vous le mettre. Qu'est-ce que j'en fais? Attends, je voulais lire les trucs là. Qu'est-ce que je peux lire maintenant? Non, il manque des symboles. Et je le mets où ce truc? Oh, la porte à sous. Mais je sais pas ce que j'en fais. Je pose là. Hein. Alors, il me faut un symbole, j'en ai un là, ça tombe bien. Golden key, not shape like key. Attends, mais c'est pas fini encore, hein. Je suis encore plein de choses à faire, on dirait. Je peux y aller par là? Je peux aller par là. Je peux aller par là. On va commencer par le début, hein. Ce sera bien. Ça, je le remettrai bien dans le coffre parce que je vais le paumer. Je peux le mettre. En arrière, c'est quelque chose à faire ou pas? Oh. Il y avait de l'eau. Oh, comment je peux sauter haut là? Miou! Et ça ressemble à ça quand même un peu.
c'est peut-être pour ça. Et ben je frapperai. J'ai plein de choses à faire ici encore. Attention à l'eau. Mon truc qui est là. Hein, il bouge pas, il est bien. Il est bleu, on le voit bien. Et je vais faire ce qu'il y a de l'autre côté. Il me manque plus qu'un symbole. Alors, la première porte s'ouvre. J'ai un petit chat, Catherine. Ok. Et toi, tu me dis quoi? Ok. Ça, c'est quoi? C'est un nouveau monde. Et ben si je m'attendais à ça. An old woman of 82, she gazed out from her dusty house towards the path to a bustling town, though here it was quiet as a mouse. Tout ce qui est rouge, faut que je le regarde en fait. C'est des petits bonus. But there were no mice in her yard, under the floorboards or inside, for it was also the loving home of 16 cats, all free to roam, and who were otherwise tossed aside. Combien de chats? 16. Une maison avec 16 chats. J'en vois pas un seul encore. C'est pour en dessous. Le Pretty Fire. Pourquoi tu me parles du feu? C'est des assiettes pour les chats. Alors on va sortir de la maison. She lost her family long ago and took in a cat so soft of fur. She named him Lucky as she smiled. It brought her joy to hear him purr. Je peux pas laisser. C'est par là ou c'est un chemin qui est bloqué? Non, ça passe. She rescued more from off the streets, from garbage piles and alleyways, and took them to her forest house, far from the town, where they could play. Ça passe pas. La petite maison des chats. Les toilettes des chats. Miou. Miou miou. J'ai pas vu un seul minou, hein. One day she heard a dreadful cry coming from a nearby tree. She looked up to the branches high and saw it was her own Lucky. At 82 she climbed that tree and saved her cat who made it down, but on the way her grip gave out and she toppled to the ground.
82 ans, elle est grimpée en haut de cet arbre pour sauver un chat qui était grimpé, mais je pense qu'elle est tombée. Some locals came to check on her, but her body was never seen. And if someone had cared to count, the cats now numbered 17. Bizarre. Faut que je mette la pelote de laine à l'intérieur ici. J'ai pas fini de regarder, hein. Je pense que c'est bloqué. Ça fait très couloir. C'est juste pour avoir une petite histoire en fait. Succès, 9 lives. On est reparti. C'était Catherine, avec sa pelote de laine. Donc, ça c'est fait. Continue par là. Est-ce que c'est une bataille sans sacrifice? S'il n'y a pas de sacrifice. Roland. C'est joli là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Roland? Le royaume de Dol. He saw injustice in this world, and witnessed countless violent crimes, and even carried many out, a product of his place and time. Je sais pas pourquoi il y a les symboles en dessous. The more he grew, the more he thought. Perhaps his family was wrong. The world was not his enemy. Causing pain did not make one strong. Ils sont bien embêtés avec les décors, hein. On va rentrer dans la maison. C'est une grande taverne. With this in mind, he ran away and vowed to use his strength for good, to make amends for his past sins by doing everything he could. Roamed about from town to town, making a living here and there, but never stayed for very long, just passing through like summer's air. Neige. He rescued those from unjust chains and fought against corrupted men, returning children to their homes before going back out again.
legends of a nameless hero swept through the countryside, as many followed in his steps, even long after he had died. On n'ira pas jusqu'au château. Récupère une épée. The man, the myth, and the legend. On est revenu ici. On a fini Roland. Le suivant. Alors, je peux aller par là. Je viens d'ici. J'ai fait celui à gauche, là, avec le chat. J'ai fait le chevalier au bout. Je vais aller à droite. Suis ton cœur. If you have the heart to follow. Si tu as un cœur à suivre. Je viens de faire le tour. Hein. C'est par là qu'il faut que j'aille alors. Ok. Et par là, on a quoi? Le temps est comme une rivière, ça, il coule dans une seule direction, mais souvent, des gouttes sont bloquées sur, sur le bord de la rivière, non, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Alors, Séraphine, avec du feu et un cœur. Novus Bay. Ça fait très viking. A bitter landscape, frosted white. She grew up in this icy cold. A glowing flame, her one refuge, in a place where most died before growing old. Alors, faut que j'aille par où? Par là, je pense. One day she lost her only child to the frozen winter winds. So for a time she lost herself and searched for answers deep within. Mais c'est trop triste ce truc. Je peux passer par là. Je peux passer par là. But the fire in her spirit soared. Come spring, she led her people out to a land with sun and trees, a place where fragile life could sprout. Les effets de lumière sont très beaux. Quand vous vous perdez vous-même, aider les autres peut vous aider à vous retrouver vous-même une fois de plus. She left their boats upon the beach,
reminders of their journey down, with tall trees lining water's edge, a ray of sunlight cast a crown. S'il faut que j'aille par là. Non, je suis bloquée. Je suis dans les arbres. Et pour revenir, c'est par ici. C'est déjà fini. The village ever looked to her for the strength she could impart, and in old age she died in peace. Her fire lived on inside their hearts. Je sais pas ce que c'est. Passing the torch. C'était une torche, ok. Séraphine. Je peux le prendre. Oh, merde. J'ai mis le feu. Fallait que je le prenne. Qu'est-ce que j'en fais? Oh là là. Je sais pas quoi en faire moi. Je vais jamais le retrouver. Je le laisse là, on sait jamais s'il faut que je revienne. Je sais pas. Il y avait de l'eau. Alors, je suis où? Je suis sortie là. Ok. Ensuite, on peut aller par là. Mmh. On peut y aller. Je peux aller par là. Peut-être que j'ai besoin de réflexion. Cassia. Chariaton. Il fait nuit à Chariaton. A shallow beauty, young and vain, she stared down at her mirrored face. The water's surface calm and cool, reflecting all her charm and grace. The boys would pass and call to her, but she would not look up to see, for though they all had pretty words, none were beautiful as she. Mm-hmm. L'arrogance et la vanité marchent main dans la main. She snuck out to think, but soon the town bells chimed aloud, and birds were flying in the night, back towards the town, a monstrous cloud. Oops. Qu'est-ce qui se passe? The town was soon engulfed in red. People shouted,
children screamed as fires continued to spread. Orange light atop the grasses gleamed. Le feu. She cried out for her family and thought to help, at first concerned, but knew the flames might mark the scene. So at the fork, away she turned. Elle criait pour sa famille, mais en pensant à les aider, elle a d'abord été concernée par savoir que les flammes pourraient lui faire des marques sur sa peau. Donc elle a rien fait, c'est ça qu'ils disent. After the fires were all put out, she slowly made her way to town and saw the place her home had stood. The flames had burned it to the ground. Ah, je suis sûre que j'en ai oublié des trucs comme ça, moi. When faced with a direct... Quand vous devez vous confronter à une situation difficile, vous vous retrouvez, vous vous voyez vraiment mieux que dans un miroir. Je l'ai fait l'autre en bas là. Je ne me rappelle plus. Ouais, je pense. A neighbor saw her standing there and yelled at her. Where had she been? That night her parents stayed inside to search for her and died within. Oh là là. Un voisin l'a vue qui était et elle était debout ici et il lui a demandé où étais-tu? Tes parents t'ont cherché toute la nuit, ils sont restés à l'intérieur pour te chercher et ils sont morts. From then on, no one smiled at her, or even waved or called her name. And so, alone, she lived and died. Her beauty faded into shame. À partir de ce moment-là, plus personne lui sourit, ou ne l'appelait par son nom, et elle était toute seule. Pour vivre et pour mourir, sa fade beauté pleine de honte. Mirror, mirror. Cassia. Je peux aller par là maintenant, j'ai tout fait. Il me manque encore un symbole. Alors, on commence à droite. Il y a des animaux partout. Tout le monde a une histoire à raconter. Des fois, vous avez juste à écouter. Donc là, je passe les espèces de moutons. Donc, il me manque un symbole. Je passe là. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.
quoi? Faut que j'attende? Moi je peux attendre longtemps. Il y a deux montagnes là, mais c'est tout. Un truc bleu là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ah bah c'est ça. Oh là là, ça va m'amener où ça? Je ferai après. Je vais faire celui-là. Hibiscus. Nuria. His stories, known throughout the realm, beloved by people young and old, were tales finely rooted in truth, a poetry with purpose told. This storyteller lived for work, telling tales of courageous lives, of men and women who risked it all, even those who did not survive. Y a rien par là. Non. From the time he was a little boy to the time his hair had turned to grey, he feverishly penned his words through the night and into day. Some friendships started here and there, but never lasted very long. With little time he had to spare, he much preferred his written song. Reading is good for the mind, writing is good for the soul, friends are good for the heart. Lire est bon pour l'esprit, écrire est bon pour l'âme, et les amis sont bons pour le cœur. Je passe où, à droite ou à gauche? And so his life went on like this. C'était la fin, his own story never shined, for no one knew just who he was. Only the words he left behind. Je vais tomber dans un trou. Alors, ça c'est ce qu'il faut que je prenne, il faut que je le mette là-dedans. Pour un écrivain.
hibiscus. Alors, je peux aller par là. Mais je peux aussi aller dans le trou là-bas. Oups. C'est par là. Bon, j'y vais. Hein. On verra. Je vais peut-être pas revenir. Youhou! Oh. C'est le chevalier, ça je l'ai fait tout à l'heure. Rune Hunter. Je pense que je les ai toutes récupérées. Un beau point de vue ici. J'étais là-bas avec les petits béliers. Faut que je redescende d'ici maintenant. Je passe par là. Ok. Ça c'est le chevalier. Il était là-haut. Donc ça. Cassia. Il y a des pierres qui volent là. Ok. Ça c'est la deuxième porte. J'étais à droite. J'étais là-bas. Et c'était fini. Ici, je l'ai pas fait. Mais j'avais bien fini là-bas. Oui. Attention, il y a de l'eau. Ici, on arrive chez qui ? Zahara. Là, il y a un truc là-haut. Time Echoes. Ouais. Si tu le dis. C'est Bedwig. C'est un temps pourri, ça. Je veux pas rester là longtemps, hein, s'il vous plaît. Je peux aller à droite là-bas ou c'est la fin? Il y a partout. Oh là là, il y a partout. She grew up on a pirate ship, taken when she was just 14. Her duties were to smile and dance, swab and polish, cook and clean. Alors, il va falloir que je suive le chemin, sinon je vais me perdre. Donc je viens d'ici, tout droit. One day, she caught the captain's eye. She smiled at him, and he smiled back. 6 months later, they were wed, though his heart was cold and mad. Super. She turned the pirates one by one to venerate her every wish, and within weeks the captain died from poison slipped into his dish. From the discord she proclaimed that she would be their pirate queen, commanding them with love and strength, of which they had not before seen. For many years she ruled alone.
shores of nearby lands. Then one day, it captured a man, his hair made up of golden strands. She ordered them to spare his life. An odd request, they did obey. And over time, she fell in love, little by little, day by day. Il y en avait un autre là-bas. Faut que j'y retourne. Ouais. C'est la fin ici. Il y avait des trucs là-bas. C'est rouge ou c'est de la lumière, mais je pense pas. Allez, je retourne au début. Piu, 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 piu. Là, je le vois. Là. Ça serait bien si je comprenais. To air, to air. Je sais pas ce que ça veut dire. Je peux pas monter. Je peux pas monter. Bon. Je pense que je les aurais pas tous ces trucs là. Là j'ai fait le tour. Un trésor ici. Un X. Là, je pourrais pas monter, mais est-ce que je peux monter par là? Il y a rien. Il y a rien. Comment ils font pour allumer là-haut? Avec des flèches. À faire une tête de mort, j'imagine. Alors, je suis ici, je peux pas monter plus haut. J'arrive sur le bateau. She wed the man with golden hair, his smile sparkled in her eye, until one meal she fell quite ill and watched that smile. Il y a plusieurs formes de poison, plein de formes de poison. On récupère un chapeau de pirate.
visite un petit peu. Ils sont embêtés pour nous faire un beau truc. C'est quoi ça? C'est du poison. Je veux pas monter. C'est vite. C'est fait. Ah, il fait beau aussi. C'est qui ici? Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. C'est joli ça. Oh. Il se passe quoi? Ils ont changé de tête? J'ai perdu mes pommes. Je peux pas l'envoyer. Non. Je peux pas. Allez, on va faire Orin. Lost Gun Creek. C'est plutôt boisé comme endroit. Les petites fleurs. Once there was a gentle boy who loved to play with little frogs. Each day he'd watch them hop around atop the lily pads and lawns. Il était une fois un gentil garçon qui aimait jouer avec les petite grenouille. Chaque jour, il les regardait sauter. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Tu vois des grenouilles là? Je les entends mais je les vois pas. Je peux aller dans l'eau? Je meurs à chaque fois que je vais dans l'eau. On va éviter. Les gens tendent à aller trop vite aux conclusions. One day he tried to join them too, being careful to step around. He'd hop onto a river rock and hop again back to the ground. Un jour, il essaya de les rejoindre aussi. En étant très prudent, il sauta de pierre en pierre. Je invente un peu ce qui est écrit. Et rejoins l'autre rive. Donc c'est ce que je dois faire? Je dois sauter, c'est ça? Ouais. Vous pouvez m'aider à sauter? Pas de grenouille. Il y a su passer. C'est joli ici. Hein. For many months he jumped and played, until the time he slipped. And fell. Yet no one noticed since that day. The frogs had disappeared as well. Pendant plusieurs mois, il sauta et joua jusqu'à ce qu'il glisse et qu'il tombe. Et ensuite, personne n'avait remarqué jusqu'à ce jour, mais les grenouilles avaient disparu aussi. Il n'y avait que trois trucs à lire.
J'ai pas vu de grenouille. C'était court celui-là. Une petite grenouille, bien sûr. La petite grenouille. Est-ce que derrière c'est revenu ou pas? Les pommes. Oui. Et ça fait quoi? Ça fait rien. Ah, on peut y tomber là. Est-ce qu'il en reste? Par là, il y a une espèce de volière. Quelle est la valeur de la vie? On dirait que c'est la fin. J'ai peur que ce soit fini, moi je veux pas finir. Hein. J'ai encore des choses à aller voir. Alors, qui on a? Natia Village. Une belle vue sur la mer avec un coucher de soleil. C'est imposant ça. When she was but a little girl, she climbed her father's shoulders high to see the merchant ships sail in and watch their flags wave in the sky. Quand elle était qu'une petite fille, elle grimpait sur les épaules de son père pour voir les bateaux de marchands et regarder leurs drapeaux dans le ciel. Ah, ça fait des traces. C'est excellent. Je peux pas choper ça. C'est des faux. Ensuite, je peux aller là ou je peux aller là? Je peux aller là. Je peux vachement y aller. À gauche, il y aura un truc. She grew up strong and filled with love for every creature, big and small, for all the trees and flowers too, through summer, winter, spring and fall. Elle grandit rempli d'amour pour chaque créature, grande ou petite, pour chaque arbre et chaque fleur, à travers toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Droite ou gauche? Droite, je pense pas que je puisse faire grand chose. Faut que je monte. Je vais aller voir par là. Monter? Non, je peux pas monter.
Il n'y a pas de bateau qui arrive aujourd'hui. Il faut venir jusque là rien que pour ça. Donc après, si je vais à droite, je peux descendre là direct. Première maison, il n'y a rien. Là-haut, est-ce que je peux y aller? J'ai pas l'impression. C'est la suite après. Je passe là. Alors la suite c'est ici. Her village prospered from the trade of coconuts and other fruit. But one day she unveiled a truth that gave way to a great dispute. Son village prospérait grâce à l'échange de noix de coco et autres fruits, mais un jour, elle découvra la vérité, ce qui a donné une grande dispute. Mais je sais pas ce que c'est que cette vérité. Il n'y a rien. C'est une fausse échelle ça. D'accord. Là il y en a une autre. Une autre fausse. Ok. Foreigners would come and go, providing silver and support, but secretly what they would do was hunt the wildlife for sport. Alors, les étrangers venaient et partaient pour procurer du silver, c'est de l'argent, je crois, et de l'aide, mais secrètement, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils chassaient la vie sauvage pour du sport. Là non plus, je peux pas monter. Là-bas, il y a un truc rouge. Suivant. She thought herself just so naive to think all people thought like her. And in her way, she fought the trade of killing for just claws and fur. Elle se trouvait elle-même tellement naïve de penser que les gens pouvaient être aussi, pouvaient être comme elle, pouvaient penser comme elle. Et elle se mit à combattre les échanges pour les fourrures, et je comprends pas trop bien tout le reste. Le soleil se lèvera toujours pour les bons et les faibles. Weak, je sais pas trop ce que ça veut dire, weak. Her actions came with hidden costs, with village leaders led by greed, dark business they relied upon, deafened them to hear her plead. Ah, c'est compliqué, hein. Ces actions avaient un coût caché avec le village.
sais pas. Faut que je monte. Est-ce qu'il y a des grottes? Ce serait marrant. Non. She took matters into her hands and freed the animals from traps. A panther cub licked her in thanks, with healing leg all tied in wraps. Je vais hésiter par là. Même pas un petit animal, ce serait marrant. Il n'y en a pas. Je pense que la suite, ça va être par là. On va reprendre le chemin. She lived outside the village lines and snuck around at morning's light. But clever men then trapped her too. Their greedy eyes were her last sight. Rien de caché. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un couteau. On est revenu, mais je pense que j'ai fait le tour maintenant. C'était un symbole qu'il y avait. On avait des choses décrites sur les murs. Maintenant, on peut les déchiffrer. C'est dommage, je vais pas refaire tous les mondes pour aller lire ce qu'il y a écrit partout. J'avais un truc dans le coffre. Je l'avais laissé quelque part, mais je sais pas où il est parti. Il est revenu. Est-ce que j'ai redémarré le jeu? Et ça, faut que je le mette tout derrière, sûrement. Pardon. Il y a de l'eau ici. Il y avait des trucs décrits. Là, je m'en rappelle. Oui, mais c'est de l'anglais. Ils peuvent traduire aussi l'anglais. On va traverser le pont. Je sais pas où faut le mettre.
Là, il y avait des trucs à lire. Je me rappelle plus ici. Je crois pas. Derrière là. Ah si. Et là, c'est un peu le vide, hein. Est-ce que je peux traverser? Yes. Et ça, c'est quoi? Ah, ça ressemble quand même. On va où? Bah merde. Pourquoi ça s'est refermé? Faut que je me dépêche de passer.